Peter Gabriel compte parmi les musiciens les plus novateurs de notre époque. Depuis plus d'un quart de siècle, il poursuit invariablement son chemin d'artiste non conformiste, puisant son inspiration musicale au-delà des frontières. Précurseur des grandes tendances musicales de ces dernières décennies, Peter Gabriel associe musique et technologie visuelle, allie traditions ethniques et pop musique. Je suis une vraie tête chercheuse, toujours à l'affût d'idées nouvelles. Fils d'un ingénieur en électronique, Peter Gabriel est né le 13 mai 1950 en Angleterre, à Woking, dans le Surrey. D'un naturel timide, il trouve dans la musique et la scène un lieu où s'abandonner à ses fantasmes. Il débute sa carrière musicale comme batteur dans plusieurs groupes de jazz et de soul. Si je suis devenu musicien, c'est en partie grâce à la soul music noire des années 60. Enfin, quand j'avais 17 ans, j'ai assisté à un concert d'Otis Redding. Ça reste pour moi une des émotions musicales les plus intenses de toute ma vie. Quand j'étais petit, j'étais toujours un peu mis à l'écart. J'avais du mal à m'intégrer parce que je n'étais pas du tout sportif. Je suis né en 1950. J'avais donc 17 ans en 67, en plein âge d'or de l'époque hippie. À l'époque, je fréquentais la Charterhouse School, une école privée très conservatrice. Quand je voulais créer un peu de désordre, je fixais des clochettes à l'intérieur de mes jambes de pantalon. Les profs entendaient bien des bruits, mais ils n'arrivaient jamais à savoir d'où ils venaient. Comme je vous l'ai dit, la discipline était très stricte. La rébellion devait donc être assez subtile. Avec ses camarades de lycée Mike Rutherford et Tony Banks, qui comme lui fréquentent le très sélect internat anglais Charterhouse, Peter Gabriel crée le groupe Genesis en 1966. D'abord batteur, Peter Gabriel devient rapidement chanteur du groupe, qui voit alors arriver un nouveau percussionniste, Phil Collins. Très vite, Genesis se fait une réputation de groupe d'art rock. Il est cependant décrié par la critique qui le considère comme un simple groupe d'étudiants. Vu notre parcours musical maintenant, l'école est très fière de nous avoir eus comme élèves. Mais à l'époque, ils faisaient tout pour nous décourager. Pour eux, on était des gars pas très reluisants. Genesis crée le concept de l'album à thème avec de longues chansons structurées qu'il transpose ensuite sur scène en un spectacle coûteux et théâtral. Cette innovation constitue toute la force du groupe. Peter Gabriel, en tant que maître de cérémonie, incarne les différents personnages des chansons avec force, masque et déguisement. Parfois grimé en vieillard, parfois avec un masque de renard ou un costume de tournesol. Ce travail sur les masques, c'était une manière d'essayer de me dépasser, de montrer d'autres facettes de mon moi. En 1975, Peter Gabriel se lasse du cirque rock. Après un concert à Paris, il quitte immédiatement la scène et se sépare de ses camarades. Il s'accorde un temps de réflexion pendant lequel il s'adonne notamment à la culture des pommes de terre, puis entame une carrière solo. Nous avons toujours de très bonnes relations, même si nous ne nous voyons pas très souvent.
Tous les ex-membres du groupe ont parfaitement réussi leur reconversion en solo. Je crois que c'est parce que Genesis est un groupe de bons auteurs-compositeurs. L'écriture est un aspect primordial. Après mon départ du groupe, je me suis volontairement tenu à l'écart des productions avec effets visuels et accessoires pour casser l'image que je m'étais faite au sein de Genesis. Je voulais avant tout être considéré comme un musicien. Il intitule tout simplement ses quatre premiers albums solo Peter Gabriel. Avec des titres à succès comme Shock the Monkey et Games Without Frontiers, Peter Gabriel s'impose sur la scène internationale dès son troisième disque. My theory is that j'ai une théorie sur les gens qui font la une de l'actualité. Qu'il s'agisse d'un cardiologue, d'un homme politique, d'un général ou d'un musicien de rock, tous satisfont là le même besoin de capter l'attention publique. Je suis persuadé que si l'on étudiait le vécu familial de Bill Clinton, du général Schwarzkopf, de Michael Jackson, Madonna ou Prince, on découvrirait des éléments expliquant pourquoi ils ont eu ce besoin de capter l'attention de leur vie adulte. You can find family histories that would suggest that they might want attention in adult life. And perhaps en fait, on pourrait dire que le degré d'attention auquel on aspire détermine le degré de notoriété publique que l'on atteint ensuite dans la vie. Later in life. Our time stopped. Out so straight. Disons que plus ton enfance a été merdique, plus ta réussite sera grande un jour. Scène musicale, Peter Gabriel s'y entend pour transposer ses crises personnelles et ses angoisses dans sa musique. Une star d'ombre et de lumière. Tout jeune déjà, j'étais le type même de l'anglais inhibé. J'étais totalement désintéressé par l'idée de travailler mon caractère ou ma personnalité, et peut-être même que ça me faisait peur. Après sa séparation d'avec sa femme et ses deux enfants, compliquée par d'autres problèmes relationnels, il se décide à suivre une thérapie avec son ex-femme, thérapie qui durera plus de 5 ans. Beaucoup de gens ont du mal à vivre et exprimer leurs sentiments. Grâce à la thérapie de groupe, j'ai appris que plus tu révèles ton vrai moi, ou plus tu fais partager tes sentiments, plus tu donnes aux autres. J'ai essayé d'intégrer cet enseignement dans ma musique. Avec une thérapie, tu ne changes pas forcément ton comportement, mais au moins tu le comprends mieux. On pourrait comparer ça à la conduite d'une voiture lancée à grande vitesse. Grâce au processus de connaissance de soi, tu as comme un volant entre les mains. Au moins tu peux dire, là c'est moi qui suis aux commandes. Je peux choisir de tourner à gauche ou bien à droite. Tu peux écraser le frein ou bien appuyer sur l'accélérateur. Il est probable que tu continues à rouler sur la même route accidentée et à faire les mêmes erreurs qu'avant. Mais au moins, tu es équipé pour faire changer les choses.
les parents sont souvent le premier modèle, la première représentation que l'on se fait de son futur partenaire. C'est certes difficile à admettre, mais on peut en constater les répercussions au jour le jour. Qui irait penser qu'une mère peut être un modèle pour son fils ou un père pour sa fille? Avec l'âge, on s'aperçoit de certaines similitudes. Pour moi, ça ne pose aucun problème, à condition de pouvoir accepter et comprendre cet état de fait. C'est comme si quelqu'un te distribuait un jeu de 12 cartes. Appelons ça des cartes de stéréotypes comportementaux. Si au cours de ta vie, tu arrives à modifier deux ou trois de ces cartes et à ne pas les transmettre à tes enfants, alors tu peux déjà te féliciter d'avoir fait bouger les choses. L'idée de vieillir avec quelqu'un à ses côtés est très belle et réconfortante. Mais je crois qu'en réalité, chacun peut et doit trouver en lui-même la solution à la plupart des problèmes qui apparaissent dans une relation. J'ai lu un livre qui contenait une superbe métaphore. Dans une relation, les partenaires doivent être à l'image de deux arbres qui ont besoin l'un de l'autre mais ne doivent pas se faire d'ombre. Ou bien comme deux coupes. Chacun doit remplir la coupe de l'autre mais ne pas y boire. Pour moi, une relation doit comporter trois espaces distincts. Un espace commun et deux espaces individuels, propres à chacun des partenaires. Mais il n'est pas facile d'établir les limites. And it's quite hard to get those boundaries defined. Moved on to another town, tried hard to settle down. Certaines relations sont adaptées à certains moments bien définis de ta vie. Tu sais pertinemment qu'une relation peut évoluer ou en rester là. You may grow and move on, or you may get stuck. En tout cas, l'aspect relationnel reste un domaine où j'ai encore beaucoup à apprendre et à améliorer. Has a lot of work attached. Malheureux sur le plan sentimental, Peter Gabriel multiplie les succès dans sa vie professionnelle. Grâce à ses talents multiples, il a la chance de collaborer avec des artistes des horizons les plus divers. Perspicace, il a toujours la bonne idée au bon moment. Son flair ne lui fait jamais défaut. J'ai une vie bien remplie. Je rencontre des gens très intéressants, tant sur le plan musical qu'intellectuel. Des cinéastes, des architectes, des anthropologues. Toutes sortes de gens qui sont pour moi une formidable source d'inspiration. Fort de ses nouvelles rencontres et amitiés, il s'impose comme auteur de musique de film. Outre la bande originale du film Birdie d'Alan Parker, il compose en 1989 la musique de La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, film qui suscitera une vive réaction à sa sortie. Peter Gabriel a dit qu'en voyant ce film, un croyant ne perdrait pas la foi et qu'un non-croyant verrait augmenter sa foi. I'm a film fan. When
J'ai toujours été fan de cinéma. Quand j'étais encore au lycée, j'ai dû choisir entre faire une école de cinéma ou poursuivre ma carrière musicale. Aujourd'hui, j'ai la chance de créer des musiques de films pour des réalisateurs aussi prestigieux que Martin Scorsese ou Alan Parker. Pour moi, c'est une occasion fantastique d'être présent dans la salle de montage, de les regarder travailler et de me sentir impliqué dans le processus. Tout au long de sa carrière, Peter Gabriel est animé d'un feu sacré. Il fait sa profession de foi des droits de l'homme et de la lutte pour les préserver. Sa chanson pour le film Cry Freedom, le cri de la liberté, qui raconte l'histoire du Sud-Africain Stephen Biko, signifie énormément pour Peter Gabriel. Si je devais choisir une seule chanson entre toutes, ce serait sûrement Biko. Pour son contenu et son impact émotionnel. Mais aussi pour sa simplicité. Musicalement parlant, cette chanson a été un tournant pour moi. Gabriel multiplie ses voyages sur le continent africain. Au cours de l'un d'eux, il fait la connaissance du musicien sénégalais Youssou N'Dour, qui compte aujourd'hui parmi ses plus proches amis. À l'origine, quand j'ai écrit Shaking the Tree, avec Youssou N'Dour, il voulait évoquer le mouvement féministe qui commençait à naître en Afrique, parler du rôle très limité des femmes, de la façon dont elles sont traitées par les hommes. Le message de cette chanson est qu'il faut secouer, réveiller l'establishment. J'aime bien aussi l'image de saisir physiquement cet arbre, de le secouer et d'en récolter les fruits. Peter Gabriel donne de nombreux concerts à but humanitaire. En 1988, il entreprend une tournée de 6 semaines pour Amnesty International avec Tracy Chapman et Sting. Je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. J'ai lu que les optimistes réussissent plus de choses, tandis que les pessimistes sont plus en contact avec la réalité. L'idéal serait d'être un optimiste réaliste. Les foyers de crise comme le Rwanda ou la Yougoslavie ne naissent pas du jour au lendemain. Ce sont en fait de très vieilles rivalités tribales qui dévoilent leur horrible visage. Il y a toute une histoire derrière ces événements. Ce ne sont pas de simples réactions à la situation actuelle. They have history. They're not just responses to current situations. C'est la même chose pour nous avec l'Irlande. Il est très difficile de s'affranchir du poids de l'histoire. That amount of history. Thank you.
Le degré de civilisation d'un homme se mesure à la distinction qu'il établit entre nous et eux. Quand on catalogue les gens sous la dénomination « eux », il est beaucoup plus facile de les exclure et de les mépriser que s'ils étaient des nôtres. Pour Peter Gabriel, la création des studios Real World constitue une étape majeure dans sa quête musicale de soi. C'est dans la petite commune de Box, à 2 heures environ de la scène pop londonienne, que Peter Gabriel a créé son propre univers. Une adresse exceptionnelle, recommandée par les connaisseurs. On dit qu'il ne faut pas prendre ses rêves à la légère, car un jour ou l'autre, ils peuvent devenir réalité. En réalisant mon rêve, c'est-à-dire en créant ces studios, j'ai endossé une lourde responsabilité. Mais c'est un endroit fantastique pour expérimenter la musique des cultures les plus variées, la technologie, les arts visuels. L'atmosphère est très détendue ici, probablement plus détendue que dans la plupart des studios qui se trouvent en ville. Nous avons 3 voire 4 studios qui tournent en même temps, et le courant passe très bien entre les musiciens. Personne ne reste barricadé dans son studio ou enfermé dans sa chambre. Non, il y a un enrichissement mutuel. L'échange peut être très fructueux car beaucoup de grands professionnels viennent travailler chez nous et rencontrent des musiciens du monde entier qui se retrouvent ici grâce au label Real World. À travers son label Real World, le festival WOMAD, consacré à l'univers des arts musicaux et de la danse, et son magazine Box, Peter Gabriel s'attache à faire découvrir au public un vaste éventail de musique ethnique. Si la musique de Peter Gabriel s'est enrichie de ses influences musicales diverses, ses confrères se montrent eux aussi enthousiasmés par Real World. Je trouve ça formidable que quelqu'un d'aussi connu que Peter Gabriel ait choisi de créer un label et qu'il investisse autant de temps et d'efforts pour promouvoir toutes ces musiques ethniques. Peter et moi avons en commun cette passion pour la musique ethnique. Cette musique possède une richesse inestimable, mais est totalement dépourvue de potentiel commercial. Mais peu importe, il est essentiel de produire ce genre de musique, sinon le monde serait submergé par la musique disco, et ce serait terriblement barbant. J'ai beaucoup appris des musiciens avec lesquels j'ai travaillé. Ils ont profondément influencé ma manière de composer. Mais ils m'ont aussi marqué humainement, à travers leurs différentes personnalités. Ici, les possibilités sont illimitées pour les êtres hyper créatifs. You want to play again, man?
Aujourd'hui, nous assistons au mélange des cultures. Je trouve ça particulièrement stimulant et passionnant. Mais en même temps, je suis persuadé que cet échange renforce l'individualité de chaque culture. Aujourd'hui, les studios Real World emploient environ 150 personnes. L'entreprise de Peter Gabriel poursuit son expansion au mépris de toute logique commerciale lucrative, avec une seule exigence, la qualité. I'd love to see visual people. À l'avenir, j'aimerais faire venir ici encore plus d'artistes visuels. En fait, les projets multimédia permettent d'intégrer des artistes venus d'horizons les plus divers. Putting people together from very different backgrounds. Réunir des gens et les passionner pour un projet, c'est bien là le plus grand talent de Peter Gabriel, après la composition musicale, bien sûr. All these activities. Au début, on aurait dit que toutes mes activités partaient dans des directions opposées. Mais maintenant, je vois ça comme un phénomène qui converge vers un seul et même objectif. Pour moi, c'est ça l'avenir. C'est intégrer les influences les plus diverses. Sometimes, when you look around, everything seems still and calm on the surface. And then you detect a little disturbance. You know for sure that underneath the surface lies some other secret world. Après 6 années d'abstinence, Peter Gabriel repart en tournée en 1994 avec son Secret World Show. Ses fans envahissent stades et salles de concert par milliers. Tous succombent au charme du virtuose du son et de l'image. Je voulais absolument innover pour cette tournée. Présenter des effets visuels complètement nouveaux sur scène. Et voilà le résultat. Le plus grand spectacle visuel live que j'ai jamais produit. J'ai collaboré avec Robert Lepage, un metteur en scène canadien qui est aussi auteur et acteur. Je le considère comme un véritable visionnaire. J'adore ce qu'il fait, notamment à partir d'une imagerie élémentaire. Toujours en quête de technologies nouvelles, Peter Gabriel joue avec toutes les subtilités techniques du moment. Nous avions deux scènes, reliées entre elles par une plateforme. Ce show était axé sur les relations en général, les relations entre villes, les campagnes, eau et feu, masculin et féminin. Nous avons essayé d'établir un lien entre ces antagonismes. Maintenant, quand je chante en live, j'arrive à chanter juste. Enfin, la plupart du temps. Au début, ça me posait des problèmes. Vous savez ce que c'est? On est énervé, excité, on ne trouve plus la note. Il n'y a rien de tel pour m'énerver que de me rendre compte que je chante faux. Dès qu'on monte sur scène, on prend la température du public. Quand le public est enthousiaste, on sent la chaleur qui irradie. Parfois, au contraire, l'ambiance est glaciale. Et il faut se battre pour conquérir le public. Frost in the air. You know, and you have to do a lot of work.
But in a sense, I think beaucoup de groupes montent sur scène et jouent la même chose de la même façon tous les soirs. Peu importe que le public aime ou n'aime pas. Moi, je vis du public. L'énergie de mon public est une sorte de carburant qui me permet de tourner rond. We very much feed off, you know, the energy of the audience is the fuel that we feed off. De nouveaux critères visuels pour les shows en public, Peter Gabriel, le perfectionniste, est un précurseur en matière de vidéoclip. Il crée un précédent avec le clip de Sledgehammer, véritable petit film d'animation. J'ai toujours beaucoup aimé l'animation. Dans ce domaine, les possibilités de laisser libre cours à son imagination sont illimitées. Limitless in that format. À travers les vidéoclips, il renoue avec le cinéma. Conjuguant habilement les multiples talents de nombreux artistes, il s'éloigne des sentiers battus, s'aventure en terre inconnue et déchaîne sa créativité. Peter a toujours essayé de donner un nouveau visage à la musique et aux vidéoclips. Mais ce n'est pas quelqu'un d'obnubilé par le succès ou les retombées commerciales. Il est constamment à la recherche d'un nouveau langage visuel. En ce moment, il est en train de créer une sorte de connexion entre l'art et la pop musique. Peter Gabriel, qui supervise toutes les phases de création d'un vidéoclip, en archive même les différentes étapes. Comme ici par exemple avec Sinead O'Connor pour le clip de Blood of Eden. Peter aime s'impliquer dans toutes les phases de création d'un vidéoclip. Il participe volontiers au brainstorming. Il adore lancer des idées et les développer. C'est un moment essentiel car il nous explique ce qui a motivé l'écriture de telle ou telle chanson. Finalement, le plus difficile est de faire le tri entre toutes ces idées complètement farfelues et de les concrétiser. Le tournage du clip de Digging in the Dirt a été le plus éprouvant physiquement pour Peter Gabriel, même si, la plupart du temps, il est resté immobile. La séquence avec les escargots est vraiment géniale. Grâce à la patience de Peter, on est allé beaucoup plus loin que ce qui était prévu. C'est un vrai plaisir de travailler avec Peter. Il ne sait pas dire non. Nous avons utilisé une espèce appelée Helix aspersa, autrement dit des petits gris. Ces escargots ont une langue très rappeuse, dont le contact fait penser à du papier de verre. À l'origine, ça devait se limiter à des escargots rampant sur son oreille. Une langue qui fait penser à du papier de verre, une mâchoire comme une tronçonneuse. Ça n'avait pas l'air de déranger Peter, et ils ont rampé sur ses yeux. Leurs petites dents se plantent dans la chair. Et puis, ils ont rampé sur sa bouche. C'est comme ça que la séquence a commencé à s'étoffer. Un tas d'autres éléments interviennent dans ce clip, qui a nécessité d'importants investissements techniques. Certains plans sont le résultat d'une superposition d'images. Ça va jusqu'à 9 couches. Nous avons filmé les mêmes plans à intervalles réguliers pour obtenir des effets comme l'herbe qui pousse, le ciel et l'arrière-plan qui évolue en accéléré. On trouve les deux extrêmes dans ce clip. Certaines prises de vue ont été tournées en accéléré, à une vitesse de 500 images secondes. Pour d'autres, au contraire, on a filmé seulement une image toutes les 7 heures.
qualifie lui-même d'agresseur passif. Quand il trouve que les choses ne se passent pas exactement comme il le voudrait, il essaye de t'imposer sa façon de voir. Mais c'est tout de même très agréable de travailler avec lui, car il a une vision peu habituelle des choses. Et il te surprend en permanence, mais il te laisse aussi la chance de le surprendre lui. J'envoie des cassettes de mes chansons à différents artistes qui s'en inspirent ensuite pour créer une œuvre. Je trouve ça passionnant de voir comment ils interprètent la musique à travers leur création. On a avancé beaucoup d'arguments quant aux raisons pour lesquelles tel ou tel disque devient ou ne devient pas un tube. Est-ce que c'est le groove, la mélodie, le contenu musical ou le clip ? Eh bien moi j'ai la réponse. Il y a plusieurs années que j'ai compris que le succès d'un disque dépend d'un seul élément décisif, de la coupe de cheveux. Au fil de mes collaborations avec Peter, j'ai pu me rendre compte qu'il aime participer activement à l'élaboration de l'aspect visuel du clip. Mais pendant le tournage, il a horreur de rester planté comme un idiot ou de faire tel ou tel geste sur commande. Ce qu'il aime, c'est avoir une certaine liberté d'action. Tout va bien quand il sent qu'il peut évoluer librement devant la caméra. Mais quand l'ambiance n'est pas bonne sur le plateau, il n'est pas à l'aise, il se sent observé et analysé. Il n'aime pas trop ça. Peter Gabriel puise son inspiration dans les domaines les plus variés. Dans ce cas précis, c'est un conte pour enfants qui a été mis à contribution. Pour cette chanson, l'inspiration m'est venue d'un livre de Bruno Bettelheim, La psychanalyse des contes de fées. Je m'intéressais à l'impact psychologique des différents contes de fées. Pour moi, l'histoire de la princesse et de la grenouille illustre parfaitement ce qui devrait se passer en matière de sexualité. Une fois que la princesse parvient à accepter l'apparence extérieure de la grenouille et qu'elle éprouve de l'amour pour elle, celle-ci se transforme en un prince. C'est là une merveilleuse métaphore. Peu importe l'apparence extérieure pour atteindre le bonheur et l'épanouissement. Au-delà de l'allusion au conte de fées, Kill That Frog constitue donc une formidable introduction à la sexualité. Sexual underbelly. You don't have to be afraid. There's nothing here to me. Our princess will like it if you know your defense. Kiss that frog. Il n'y a pas si longtemps, on était en train de préparer un clip. Et la veille du tournage, Peter a eu une de ces illuminations dont il a le secret. Il a dit tout à coup qu'il lui fallait, pour le lendemain, un cheval, une femme nue et des lapins. Je lui ai dit quoi ? Tu veux un cheval, une femme nue et des lapins ? T'es sérieux ? Il a répondu que c'était juste histoire de tester une idée qu'il avait. C'est tout lui, ça. Il aime bien lancer des idées en l'air, comme ça, juste pour voir comment tu réagis. Même au moment de la post-production, pendant le montage, il essaye d'imposer les idées les plus farfelues. C'est pas un type facile. Il sait ce qu'il veut. Beaucoup d'artistes se contentent de reproduire indéfiniment un concept qui a remporté un franc succès auprès du public, et ce pour continuer à gagner de l'argent facilement. Avec ces éternels remakes, on voit apparaître des choses comme Jurassic Park 3 par exemple. C'est également vrai pour les clips. On trouve partout les mêmes images érotiques allusives avec une danseuse quelconque qui se vautre sur un lit. Je n'ai absolument rien contre quand c'est vraiment dans l'esprit de la chanson. Mais certains ont tendance à recourir un peu trop systématiquement à cette formule. Yeah, people do tend to accept
formula far too easily. Je ne suis pas un très bon instrumentiste. Vous savez, beaucoup de gens découvrent un jour la passion de leur vie et s'y consacrent corps et âme. Moi, je me suis toujours intéressé à une foule de choses. Mais ce qui me fascinait déjà dans les années 60, quand j'étais adolescent, c'était les possibilités du multimédia. Aujourd'hui, celles-ci sont beaucoup plus accessibles et poussées grâce aux importantes avancées technologiques. Achievable with all the technology that's around. Everybody knows that. Hold your breath, count to five, X-flat, booby trap, cover it up in bubble wrap. Room shake, earthquake, find a way to stay awake. It's gonna blow, it's gonna break. À l'avenir, Peter Gabriel n'aura plus besoin de tourner des clips. On utilisera simplement une version digitalisée de lui. C'est une bonne idée, ça. Son image digitalisée se trouve déjà dans l'ordinateur. Nous pouvons la replacer dans n'importe quel environnement et lui faire faire tout ce que nous voulons. Peter n'a plus qu'à rester bien calé dans son fauteuil et à nous dire à quoi il veut ressembler. C'est vrai. On a scanné mon visage plusieurs fois. Mais il faut quand même quelqu'un pour bouger les lèvres. Peut-être qu'ils feront du meilleur boulot que moi. Les rapports hommes-technologie arrivent à un tournant décisif. Si les gens acceptent la technologie et se l'approprient, elle sera à leur service. Au contraire, s'ils la rejettent ou la craignent, alors ils deviendront ses esclaves. Car l'avancée technologique ne peut être enrayée. Et les gouvernements et les hommes au pouvoir sauront l'utiliser pour servir leurs intérêts. It cannot be stopped. Let me take you on a little journey. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2. En 1993, Peter Gabriel sort Explora, le premier CD-ROM biographique d'un musicien. Avec cette innovation technologique, Peter Gabriel permet à chaque utilisateur d'accéder individuellement à son univers. This is the production room. I'm having some trouble with a mix of digging in the dirt. Come on in and give me a hand. Shake that thing. Sa deuxième création du genre s'intitule Eve. En collaboration avec Paul Allen, un des fondateurs de Microsoft, il développe des possibilités inédites d'interaction avec l'ordinateur. L'idée de départ tournait autour d'un recueil interactif de chansons. Je tenais absolument à travailler avec des artistes visuels, car ils s'investissent pleinement dans leurs œuvres, c'est toute leur vie. Je suis persuadé que leur création comporte plus de profondeur et de passion que celle de beaucoup d'infographistes, chez qui, à quelques exceptions près, on ne retrouve pas l'amour du détail, le sang, la sueur, le côté tactile des choses.
whereas I think a lot of this work is much more tactile. Pendant deux ans, Peter Gabriel travaille sur le projet Eve en collaboration avec des scientifiques, des psychologues et quatre plasticiens de renommée internationale, avec la japonaise Yayoi Kusama, Hélène Chadwick, récemment décédée, Cathy de Monchot, l'allemand Nils Udo. Le point de départ est l'histoire d'Adam et Ève. Cela commence dans le jardin d'Éden avec l'ancien mythe selon lequel l'homme et la femme étaient réunis dans la même enveloppe charnelle. L'homme et la femme deviennent ensuite deux entités distinctes. Et à partir de là, le but du jeu est de les réunir à nouveau. Il faut retrouver sa moitié pour former un tout et connaître ainsi le paradis une deuxième fois. Peter Gabriel, à la recherche de lui-même et d'une partenaire. Dans Eve, il évoque notamment l'idée d'une rencontre par petites annonces interposées. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire moins que de me plier moi aussi à cet exercice. Même si j'ai tendance à l'oublier, j'ai appris que l'on ne peut faire évoluer une relation qu'en se changeant soi-même, et non en essayant de faire changer son partenaire. And not by changing the other person. Shake it all around, shake it all around. Outre de bons conseils pour la vie à deux, ce CD-ROM offre la possibilité de réaliser un mixage personnalisé d'une chanson de Peter Gabriel. Chacun de nous doit réaliser qu'il y a un artiste ou un musicien en lui. Dans certaines cultures, on estime que tout le monde sait peindre ou jouer de la musique. Notre société, elle, met les artistes sur un piédestal. Ils sont l'élite, ils ont du talent, sont créatifs, valent mieux que la moyenne. On opère une distinction entre les artistes et les autres, les gens ordinaires. C'est complètement absurde. On le voit bien chez les enfants. Tous sont des créatifs en puissance. J'espère que des outils comme les CD-ROM permettront aux gens de redécouvrir leurs talents et les encourageront à exprimer leur véritable personnalité. J'ai un rêve de longue date. Je partage avec Brian Eno et Laurie Anderson la création d'un parc expérimental. Ce sera une sorte de mélange entre Disneyland, des galeries d'art, un lieu de méditation, entre autres. On nous a proposé un terrain à Barcelone. Le maire nous a accordé un délai de 3 ans pour les soumettre une proposition pour laquelle nous devrons ensuite trouver les financements. Nous avons déjà développé une version miniature de ce projet sous le nom de Mind Blender. Une pièce équipée de 18 fauteuils qui se balançaient au rythme de la musique. C'était très amusant. Mais Mind Blender n'est qu'un pas de fourmi en direction du parc expérimental. Tangible, realistic goal. Nous vivons à une époque où chaque être humain de la planète a la possibilité d'accéder à n'importe quelle information au moyen du téléphone, par satellite et d'un simple ordinateur. La somme des connaissances humaines est accessible à tout moment sur des réseaux comme Internet. Should be all online. So
Si l'on arrive à familiariser les enfants de manière ludique à ces techniques, nous avons là un moyen intéressant de rendre l'éducation à la fois plus attractive et plus efficace. Accelerating education and making it a lot more fun. Love Town. Outre sa passion pour Internet, Peter Gabriel a un autre sujet de prédilection, celui d'un syndicat des artistes. I'd love to see the artists act. J'aimerais que les artistes agissent à la manière d'un syndicat united, ou d'un mouvement uni. Because at the moment, record companies are just getting together. En ce moment, les maisons de disques se regroupent et les artistes, eux, sont toujours plus longs à s'organiser. And act in a united way, you know, and it's a real opportunity now with multimedia. À une époque où les maisons de disques imposent leurs critères en matière de vidéoclips, le multimédia nous offre de formidables alternatives pour lutter contre cette dictature. En nous regroupant, nous serions plus à même de nous défendre, de nous battre pour nos droits et de concrétiser nos idées. Nous aurions aussi une plus grande influence sur la qualité du travail et sur l'aspect financier. The quality of work as well as what happens with the income. Have you got what you want? Gabriel prépare actuellement un nouveau disque. Au vu de toutes ses activités, pour ce bourreau de travail, le temps est le bien le plus précieux. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Martin Scorsese à l'époque de La Dernière Tentation du Christ. Il m'a dit qu'il devait faire attention à bien sélectionner les projets sur lesquels il travaillait dorénavant, car il ne savait pas combien de temps il lui restait pour réaliser les films qui étaient en lui. Ces mots m'ont remué, parce que je me suis dit que je n'étais pas beaucoup plus jeune que lui, et que moi aussi, je devais établir des priorités. J'essaie de mettre ça en pratique, même si, comme la plupart des artistes, je suis un possédé. Mais je dois apprendre que, parallèlement au travail, il ne faut pas oublier de vivre. To live at the same time as work. Are you really so sure?